Salut à tous, c'est Sherwé. Petite vidéo pour vous montrer fixation souple dure du joueur. Pour vous montrer en fait un match que j'ai fait et qui a été très comment dire ça? Très mauvais de mon point de vue. J'ai un mec, c'était un tricheur. Grosso merdo, vous allez voir la suite. Hop, du coup. Bon, de mon point de vue, vous allez voir. C'est un match que j'ai perdu 4 à 3 ou 5 à 3. Donc déjà, si vous remarquez bien. Là, lui, il enlève la balle. Donc, il n'y avait qu'un seul joueur en violet. Et lui, au lieu de laisser la balle rentrer, il enlève la balle. Il la met en plein centre. Déjà, on prend un but. Bon, j'ai dit, allez, une erreur de débutant. Bon, là, moi, j'ai joué comme une grosse merde, hein, voilà, faut le dire. Mais le truc qui m'énerve, c'est les gens en fait qui jouent contre temps en fait. Regarde. L'autre qui fait en sorte de marquer dans son camp. Deuxième but. Premier but qui marque lui-même dans son camp. Donc ça commence à m'énerver. Je dis bon allez, on va essayer quand même de jouer. Je vais essayer quand même de jouer un peu plus sérieusement. Faire attention. Je suis quand même en argent, donc mon niveau n'est pas très élevé, mais je me dis que si je joue correctement, je pourrais jouer. Je rate énormément de balles, ça m'énerve. Faut le dire. Là, j'avais marqué un but tranquillement, en faisant pas grand-chose, mais ça. Donc l'autre, il est seul aussi, donc remarquable à lui, quoi. Donc lui, il est toujours en avance. Donc je fais vraiment un peu, je joue vraiment comme de la merde. En fait, tu vois, j'étais déjà un peu énervé. Le fait que l'autre il joue pas avec moi. Donc là, on va essayer de contrôler la balle, prendre des bonnes balles. L'autre, regarde ce qu'il fait. Il sente la balle pour l'autre. Bon. Je commence à me dire à ce moment-là, lui, je vais arrêter de jouer avec lui. Je joue solo, je vais le bousculer et puis basta quoi. L'autre, il me shoot. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai dégagé, je lui aurais foutu la balle dans nos camps. Je dis, putain, ça va commencer à me faire chier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remet la balle en plein centre. Tout ça pour tirer dans nos buts. Je dis, putain, mais il faut qu'il arrête hein, quand même. Hein. Et il va faire que ça tout le long de la partie. Donc là, je l'ai un peu déjoué, je remonte. Faut dire qu'aussi que l'autre. L'autre, il a quand même. Il est quand même tout seul, donc voilà. Elle me dit, ah oh, mince, putain, une action. Là, il rate. Et voilà. Regarde l'autre, regarde. Il fait tout pour le foutre dans notre but, ce bâtard. Bah, l'autre, il en profite, c'est normal. Et en fait, on va perdre 2 contre 1. Et on va perdre parce que cet idiot fait de la merde, regarde. Il va même pas aux engagements. Il met pratiquement les... Regarde, regarde-moi ça. Donc là, je commence vraiment à m'énerver à le shooter. En fait, il me casse les couilles. Regarde ce qu'il fait. Et il lui refout des buts dans sa gueule.
Alors là où je jouais pas, j'ai marqué que j'allais le report parce que pour triche. Mais si un jour vous tombez sur ce joueur-là, ne jouez pas avec lui. Ne jouez pas avec lui. C'est un trou du cul. Ah, mais j'attends qu'il me fasse la passe. Non! Il fait rien. Il fait rien. Alors déjà que je suis pas très bon à Rocket League, plus quand je joue avec des mecs qui est comme ça le don de m'énerver, un truc de malade quoi. Mais je suis pas si mauvais joueur que ça. Là, j'étais énervé, il enlève ma balle pour que je marque. Que là j'aurais mis un point, je recommence. Là je me dis putain c'est ma faute, je touche pas la balle. Et regarde ça. Ah là, quand c'est pour marquer dans son propre camp, l'autre il joue trop bien. Donc changeant, j'aurais pu régaliser encore, mais voilà, ça me fout les boules, ça m'a foutu les boules ça. Là j'en avais marre. Et voilà comment jouer contre un tricheur. On a pris 3 buts ou 4 buts contre un tricheur. Bon, tant mieux pour l'autre qui lui a permis de gagner la match, mais voilà. C'est le genre de choses qui m'a énervé. Merci de m'avoir suivi. Mettez des j'aime, partagez si vous aimez mon contenu.